Salut les gens, non d'habitude je fais mon intro habituel mais là je fais on va dire une vidéo spéciale. Il y a un peu plus d'une heure, un événement tragique carrément a bouleversé je vais dire le monde parce que la moitié des gens dans le monde le connaissent pas mais il a conquis les fans plus précisément dans le monde. Des comics et des comics, plus précisément Marvel. Je parle évidemment du papa de Marvel, de Spider-Man, Daredevil, Stan Lee. Il a été il est décédé à la clinique de Los Angeles. Ça fait maintenant à peu près un peu plus d'une heure, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'y attend tellement pas. Ce genre d'infos parce que moi j'ai cru qu'encore qu'il allait tenir encore quelques années, qu'il pouvait même aller jusqu'à 100 ans. Sa carrière c'était très une j'en perds les mots, c'est il a fait une superbe carrière. C'est juste tout ça que je peux vous dire. Depuis 89, il a fait une apparition dans les films Marvel depuis le premier film Hulk. C'est bouleversant parce que tu t'en rends même pas compte que à partir de maintenant, dans les films Marvel, il sera plus là et ça fera un vide en fait. Les super-héros se retrouvent orphelins. Il n'y a plus de Stan Lee. Il reste encore Jack Kirby. Voilà. C'était pour vous prévenir ça, hein, au moins comme ça, vous êtes au courant. Je ferai peut-être une vidéo en son honneur la semaine prochaine après les adaptations de manga, comme ce sera la suite, hein. Et je vous dis à la prochaine. Ouais.